te fais partie des leaders, des grands acteurs qui ont œuvré au péril de leur vie à cette journée de la libération de mon pays. J'ai subi, j'ai fait des sacrifices, j'ai même sacrifié la vie de mes enfants puisqu'ils sont tous diplômés, mais le simple fait qu'ils étaient fils d'Indonésiens, ils n'ont jamais eu du travail. Je suis fier d'avoir fait le bon combat. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes qu'au début de la libération de mon pays, le Gabon. Une bonne partie a été exécutée par le CTRI. Ce que j'attends du CTRI, c'est que le jour où on va faire une élection présidentielle, où le chef de l'État sera élu au suffrage et que c'est le bulletin qu'il a élu, cette journée-là sera appelée journée de la libération de notre pays. Deuxièmement, j'attends du CTRI que le problème des retraités soit vraiment bien traité, puisqu'on le traite avec beaucoup de légèreté. Je réitère que moi, je fais partie de ceux qui ont combattu et subi ce régime jusqu'à la libre pour que le Gabon soit libre. Je ne me vante pas, je suis là et j'attends. Merci. Bonne fête à tous les Gabonais qui ont souhaité la liberté du Gabon. Merci.